Good job. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. The court is now in session. Before giving the floor to the deputy international co-prosecutor to resume the questioning to the expert witness, the chamber wishes to hear oral submissions concerning the request. 87.4 request of the defense team for Mr. Nguyen-Chia this morning. De la règle 87.4 et ce par courriel. La défense de Nguyen-Chia a en effet demandé l'autorisation d'intervenir oralement aujourd'hui en vue de voir déclarer recevable aspects of extermination and ideology under certains documents, y compris concernant l'extermination contre la démocratique entre 75 et 79. And an article he authored that is available only in English, with EON 01-03079-62-71. So that they can use these documents during the examination of the expert. First, the floor is given to the defense team for Mr. Nguyen-Chia to make oral submission in relation to the request. Sur cette demande. Yes, thank you, Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. Very briefly, très brièvement, these are two small documents ce sont that were, deux courts documents remis aux parties il y a trois jours. First is premièrement, c'est un document de quatre pages in French, en français table des matières, c'est apparemment la table des matières the doctorate thesis, d'une thèse de doctorat. It was provided, I believe, by, ce document, je Mr. pense, Locard, a été remis par Monsieur Locard à la Chambre. Monday, I might have some questions. Peut-être que lundi, j'aurai des questions portant précisément sur la dernière page. C'est pourquoi nous demandons avoir déclaré recevable en tant qu'élément de preuve ce document. Le deuxième, c'est un court article de la main d'Henri Locard intitulé « Caractéristiques de la répression au KD par rapport à d'autres États communistes ». C'est un document de 10 pages, lequel a été placé par le greffe au répertoire partagé. Donc ces deux documents ont été communiqués aux parties il y a quelques jours. Nous demandons à ce qu'ils soient déclarés recevables en tant qu'éléments de preuve. Le président. Merci. La parole est à présent donnée à l'accusation qui pourra répondre à la demande de la défense de Nguyen-Chia. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'observation particulière à faire. We have no particular nous nous en référons à la remettons à la sagesse de la Chambre sur ce point. We will submit ourselves to the wisdom of the Chamber on this point. Thank you. President, what about le président, qu'en est-il des avocats principaux pour les parties civiles? Maître Pekang. Mr. President, Monsieur le Président, the lawyers for les co-avocats principaux pour les parties civiles n'ont pas d'objection à formuler à l'encontre de la demande en question déposée par la défense. Le Président, qu'en est-il de la défense de Kyo-Sampan? Des observations? Merci, Monsieur le Président. Oui, nous soutenons la demande de l'équipe de Nguyen-Chia. Thank you, Mr. President. Yes, we support the request made by Nguyen-Chia's team. Le Président. President, thank you. Merci. For the comments or observations made by pour all parties. Observations. The chamber will issue its ruling la chambre as se soon prononcera as possible, dans les meilleurs délais. And in particular,
before the examination of the expert by the defense team for Mr. Nguyen Chi, and the floor is now given to le the deputy expert. International La co-prosecutor to resume the questioning to the witness. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur l'expert, je voudrais parler quelques instants des communes populaires. Mr. Expert, I would like to talk for a few moments about the people's communes. C'est-à-dire ce que nous appelons devant cette chambre les coopératives. Calling cooperatives in this chamber. Je voudrais lire un extrait de votre livre Pourquoi les Khmer Rouges, qui porte la cote E3/106/40640, sous le titre le gouvernement, sous le titre du chapitre Under le gouvernement du Cambodge démocratique. The government of Democratic c'était à la page Cambodia, en français 136. French, it is page 136, ERN 013-03-602. Et vous parlez des purges de 1977. And you're talking vous about the 1977 purges, and you say the following. À partir de 1977, après les grandes purges qu'ils avaient dû mettre en œuvre dans les rangs même du parti, that Pol Pot et son groupe considérèrent qu'il ne fallait plus y incorporer d'autres membres que ceux d'origine paysanne, pauvre, surtout pas de personnes éduquées ou de petits bourgeois. C'est ce qui explique pourquoi, après les purges, les chefs locaux promus dans les communes populaires furent parmi les plus illettrés et souvent les plus cruels. C'était pour les dirigeants des éléments propres et purs, c'est-à-dire totalement manipulables par leurs supérieurs. Alors j'ai une question par rapport à ces nominations de gens illettrés au sein de la direction des communes populaires. À votre sens, n'était-il pas dangereux, voire même irresponsable, de faire reposer autant de responsabilités sur les épaules de gens aussi peu instruits, aussi peu à même de prendre des décisions raisonnables ou raisonnées? Who are not able to undertake a reasonable or well thought out decisions even. Oui, effectivement. Ce fut le problème tout au long du régime. This was the problem throughout the régime. La direction prenait des décisions absurdes et qui souvent aboutissaient à des conclusions contraires aux souhaits, aux buts désirés. To the desired wish or goal. En effet, je crois avoir lu dans le livre de Tan Sambat en particulier que Nguyen Chi et la direction ont souvent tendance à se défausser sur les assassinats, sur les exécutions, sur les autorités locales, en disant nous au sommet, nous n'avons pas voulu toutes ces arrestations et toutes ces exécutions. Et moi, je répondrai à cet argument, peut-être, mais ce qui est certain, c'est que c'est vous qui avez voulu nommer des gens que vous considériez comme de vrais, véritables prolétaires, c'est-à-dire d'origine le plus souvent paysanne, ou ouvrière, mais enfin surtout paysanne, et qui souvent étaient à peine capables de lire et écrire. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? Bon, d'abord, une source, c'est toujours Philip Short, qui souligne cela. Je crois qu'il discute de cette question. Il pose même la question, c'est après toutes les purges, disons dans la deuxième partie du régime, est-ce qu'on n'en était pas arrivé à ce que le nombre de membres du parti, qui était déjà extrêmement faible par rapport aux autres pays communistes, devienne encore plus dérisoire? Not very numerous compared to others. Je sais aussi, je ne me rappelle pas le nombre de communes populaires, became reduced even further. Plus d'un millier en tous les cas.
Il n'y avait pas au départ, au démarrage, assez de membres du Parti communiste pour les nommer à la tête des communes populaires. Donc déjà, le parti se trouvait en pénurie de cadres au départ. Donc on avait pris peut-être des soldats démobilisés ou so perhaps, que sais-je. Donc c'est vrai qu'il est vrai que c'était une décision absurde. That it was an absurd decision. Alors, donc la source pour ça, donc d'une part, il y a Philippe Schott, mais il y a également mes propres investigations où j'ai entendu de tous côtés dire que les responsables, des responsables Khmer Rouge à la base savaient à peine lire et écrire, en particulier ceux qui voulaient fuir, par exemple, s'étaient fabriqués des faux laissés-passer, hein, et quand ils montraient aux responsables s'est laissé passer, un certain nombre ne savaient pas les déchiffrer et croyaient que c'était des véritables laissés passer. Ils n'étaient pas capables ni de lire ni d'identifier. Je crois que ça a été un véritable problème d'une réalité. Maintenant qu'il y a de la logique, il n'y avait aucune logique là-dedans. Salotsa en particulier, enfin Pol Pot, voulait que la population double en 15 ans. D'abord, elle ne peut pas doubler en au moins 30 ans, une génération. Donc mathématiquement, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, on ne peut pas affamer une population et exécuter un grand nombre de gens, alors qu'en même temps, on voudrait que la population croisse de manière exponentielle. Donc, les politiques du Cambodge démocratique n'est qu'un tissu de contradictions. Kampuchea are full of contradictions. Autrement dit, concernant ces cadres, est-il question, plus important pour le Parti communiste du Cambodge, en tout cas à ses yeux, d'avoir des cadres loyaux au parti plutôt que des cadres compétents? More so than competent cadres. Évidemment, les gens n'étaient jugés qu'à l'aune de votre docilité et esprit d'obéissance au parti et aux ordres qu'ils donnaient dans vous. C'est ça qui est important. And how they carried out those orders, that's what was important. Vous avez évoqué tout à l'heure le mot d'ordre qui était d'obtenir 3 tonnes de riz par hectare. Est-ce qu'il y avait donc une obligation indifférenciée pour toutes les communes populaires ou coopératives à travers le pays d'obtenir ce rendement? Ou y avait-il une différenciation selon les régions, la qualité des sols, etc.? Oui, alors d'après ce qu'on sait, évidemment, ce mot d'ordre du super grand bond en avant, devait s'appliquer dans tout le pays, quelle que soit la fertilité du terrain. Il est bien évident que c'était, encore une fois, un mot d'ordre absurde, parce que les terres au Cambodge varient énormément d'un endroit à l'autre. Vous avez les terres au bord des rivières, qui sont des terres de Chamka, qui peuvent être fort riches. Vous avez des terres, évidemment, du côté de Battambang, Bonneville, Mintiei, qui sont riches aussi. Vous avez des terres rouges de Ratanakiri ou de Lopkiri qui peuvent être très riches. Mais l'ensemble, très souvent, surtout dans la province de Kompong Speu ou de Kompong Thom, où vous avez des terres assez pauvres, trop argileuses ou trop sablonneuses, où les rendements ne peuvent être qu'assez faibles, sauf, évidemment, si vous avez beaucoup d'eau. Mais encore est-il, pour avoir plusieurs récoltes, il suffit d'avoir de l'eau toute l'année, mais aussi pour avoir des terres riches. Et je ne sais pas, si vous allez en Indonésie ou à Bali, évidemment, là, vous avez des terres très riches, on peut effectivement avoir plusieurs récoltes. Donc c'était pour la plus grande partie du pays un but totalement irréaliste.
Et ça a été la cause de la famine, puisque localement, on ne pouvait pas produire 3 tonnes d'un jour à l'autre, de passer de 1 à 3 tonnes. Comme on ne pouvait pas le faire, et qu'il ne fallait pas avouer que la politique avait échoué, on livrait quand même à l'État des quantités de riz assez importantes, qui fait qu'il n'y avait plus rien à manger pour la population. Donc ce slogan a été à l'origine de la famine. Au fil du temps, cet objectif de 3 tonnes par hectare a-t-il augmenté ? Est-ce qu'il y a eu même des objectifs pour les années suivantes de 4 ou 5 tonnes. Est-ce que vous avez entendu ce genre de choses de la part des dirigeants Khmer Rouge, notamment dans les plans du parti ? Voilà, donc oui, évidemment, il y avait le plan... Yes, obviously. Qui a été établi, je crois, en 1976, le plan quadriennal de 4 années, de 1976 à 80, qui prévoyait encore des rendements plus élevés. Mais ce plan a été traduit, vous savez, par l'équipe de David Chandler. C'est un document très intéressant à lire, dont je me suis servi, que je cite, je crois, plusieurs fois dans mon livre, mais tout ça, c'est des plans sur la comète, comme on dit, c'est de l'utopie. Dans la réalité, évidemment, ça ne correspondait pas toujours à la réalité. Mais ce qui correspondait à la réalité, comme je l'ai dit, je crois, ce matin, c'est qu'effectivement, on a produit beaucoup de riz, on a produit plus de riz qu'à l'époque de la République ou même du Sankum. Bon, ils n'ont certainement pas obtenu de tripler la production, mais la production a certainement, de manière assez significative, augmenté. Alors, évidemment, la question annexe, c'est qu'est devenu ce riz ? En revoyant mes notes ces jours-ci, j'ai vu, par exemple, que dans telle commune de la région Est, automatiquement, on cachait dans la forêt 30% de la récolte. C'est-à-dire que les Khmer Rouges avaient encore des habitudes prises pendant la guerre civile où on faisait des récoltes, on faisait des provisions dans des endroits cachés. Alors, je crois qu'on a eu pas mal de preuves de cela. Au moment où ils ont été chassés du pouvoir, il y avait dans les forêts des cardamomes ou dans la région de Battambang, je ne sais pas, il y avait des lieux où il y avait des stocks de riz qui étaient prévus. En ce qui concerne la plupart du riz partait. Alors, j'ai évoqué ce matin, je crois, 75% de la production, mais ça a pu être des proportions énormes, qui partaient et qui étaient stockées généralement dans les villes, dans les capitales de province, et en particulier à Phnom Penh. Vous avez aussi présent ici Phnom Penh, dont une des tâches, une des missions, était le contrôle des réserves et des hangars à Phnom Penh. On sait par le Pierre Ponchot que tout le long du Tonle Sap, il y avait des hangars où étaient stockés du sucre, du maïs, du riz, etc. Qu'est-ce que devenait ça ? Donc, il faut poser la question à la personne présente ici, qui pourra vous répondre beaucoup mieux que moi. À propos de Khieu Samphan, vous avez ce matin parlé d'un passage, d'un discours, il parlait des enfants. You spoke of a speech where he talked about children. Le citer, vous l'avez cité dans votre livre. Pourquoi les Khmer Rouges, E3/1060, à la page 176 en français. On page 176 in French. Et l'IRN, c'est 013-03-622. Donc c'était un discours du 17 avril 1977. Je crois que le parti n'aura pas de difficulté à le retrouver également dans les documents FIBIS. Donc voilà ce que vous avez cité de ce discours de Khieu Samphan. Nos enfants ne jouent pas avec des petites autos, des petits bateaux ou des petits fusils qui étaient autrefois importés pour un coût considérable. Nos enfants sont heureux de chasser les moineaux des récoltes
de s'occuper du bétail, des buffles, de collecter le compost et d'aider à construire des barrages et des digues et de creuser des réservoirs et des fosses. Nos enfants ont réalisé de grands progrès. Ils sont bien disciplinés, alertes, adroits, mais ni arrogants, ni vicieux. Ils adorent le travail et la production. Fin de citation. Encore une fois, ici, on voit un dirigeant qui parle au nom d'autres personnes. Who speaks on behalf et du fait of que les enfants étaient heureux. Est-ce que c'est quelque chose dans vos entretiens qui est ressorti, savoir que les enfants étaient heureux de travailler pour l'Ankar? Interviews that you had that came out in them that the children were happy to work for Ankar. Excusez-moi, je n'ai pas noté la page dans l'édition française. J'ai noté la page en édition anglaise. C'est quelle page? French, what page was it? Can you tell me, please? Nous n'avons que l'édition française, c'est la page 176. We only have the French edition, it's page 176. De la nouvelle édition de juillet 2016. Donc, le livre « Pourquoi les Khmers rouges ?» Ah, c'est dans le petit livre rouge. Il est cité dans le petit livre rouge. Je n'ai pas la citation mais tant pis, dans la citation anglaise. Le début de cette citation est intéressant et correspond à la tradition cambodgienne. Dans la campagne, les enfants, en effet, on leur demande chasser les oiseaux dans les champs de riz, et de s'occuper du bétail, de chasser les moineaux, des récoltes, de s'occuper du bétail, du bœuf. Donc là, ça s'arrête. C'était traditionnellement, en plus, on peut rajouter trouver des grenouilles, des légumes sauvages. Ça, c'est la tâche habituelle des enfants dans les campagnes. Mais alors, après, collecter les engrais naturels, alors ça, c'est complètement nouveau. Aider, alors, pire. Aider à construire des barrages et des embankments, le mot français ne me vient pas parce que je n'ai pas le français sous les yeux. Des digues. Ça, c'est un travail très, très dur, complètement d'adulte. On passe du banal, soudain, moi, ce que je considère comme monstrueux. Creuser des réservoirs et des canaux. Alors après, on nous dit, les enfants ont des progrès admirables, ils sont bien disciplinés, ils sont habiles, ils sont braves. Mais ils ne sont pas arrogants ni vicieux. Pas arrogants, c'est-à-dire qu'ils ferment la bouche. Comme des bêtes de somme, ils sont transformés en bœufs. Parce que beasts of burden, et ils obéissent à l'Anka comme il le faut. Donc c'est évidemment abominable. Le travail des enfants est interdit par tous les traités internationaux. Et là, on nous dit que les enfants étaient contents, qu'ils étaient très heureux, et que surtout, leur mentalité avait changé, qu'ils sont disciplinés, et qu'ils adorent faire les travaux manuels et les corvées. C'est évidemment complètement faux, utopique. This is completely utopian. It's false. Pour moi, c'est un des crimes les pires de ce régime d'avoir, moi, ce que j'appelle aboli l'enfance. C'est-à-dire, les enfants étaient plus libres, ils ne pouvaient pas jouer, ils ne pouvaient pas s'amuser, ils ne pouvaient pas créer, ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne pouvaient pas jouer. Ils étaient embrigadés. Ils ont dû connaître une souffrance absolument épouvantable. Et il y a certainement dans la salle des gens qui ont été enfants
sous les Khmers rouges, et ils pourront vous dire ce qu'ils ont ressenti à cette époque-là. Sauf les enfants des cadres, alors évidemment, ils avaient des régimes beaucoup plus doux. They had much gentler regimes. Justement, vous avez interrogé des centaines de personnes, ou même des milliers, vous avez dit hier. Hundreds, even yesterday, you said thousands. J'imagine que beaucoup étaient encore enfants ou adolescents au moment du régime. So I imagine that many of them were still children or adolescents at the time of the regime. Did they talk to you about the physical or psychological effects? Les tâches qui leur étaient assignées et le rôle qui leur était donné sous les Khmer Rouges ont eu sur eux. Given to them under the Khmer Rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti de vos entretiens avec la population en général ici au Cambodge? Bon, moi, ma recherche était quand même essentiellement orientée autour des prisons. Bien que j'essaye toujours de mettre les choses dans leur contexte, je me suis intéressé aussi à l'environnement. So, of course, I did also, mais les effets psychologiques sur les témoins d'une enfance brisée, hein, c'est le titre d'ailleurs d'un des témoignages d'une Cambodgienne qui est à la Cour suprême, une enfance brisée, donc je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je peux constater que dans la société où nous vivons, étant donné le nombre de la violence et le nombre de divorces qu'il y a et la violence conjugale qui existe, je pense, et j'ai connu personnellement des quantités de Cambodgiens qui maintenant sont adultes et qui ont eu à souffrir énormément. Tout le monde le dit que si les premières années ont été malheureuses, votre vie a été cassée pour le reste de votre vie. If the first years of your life are unhappy, then your life is broken for the rest of your life, for your entire life. Coopératives ou les communes populaires. The last question on the cooperatives or people's communes. D'après vos études et vos recherches, according to your research and studies, because you've le terrain, est-ce qu'il y avait un mode de fonctionnement in your research? Did you have similaire partout dans le pays? A way of functioning that was similar throughout the country? Or did you function differently in one region or another? Des points communs aussi dans were there the les conditions points de vie, in common of the travail, living conditions and the working conditions of people in the people's communes under the regime of the people's of the democratic Kampuchea? Oui et non. Non au niveau de l'organisation générale. Elle était parfaitement identique partout. Les directives étaient suivies partout, c'est-à-dire qu'il fallait travailler de très longues heures. Je pense qu'un certain nombre de témoins ont eu tendance peut-être à exagérer le nombre d'heures. Mais parce qu'à certaines périodes, en effet, au moment du repiquage ou au moment de la moisson, ou au moment de terminer la fin d'un chantier de barrage, il y a eu des périodes très très dures où on a pu travailler 12, 14, 16 heures. Mais ça n'a pas dû être le cas toute l'année, sinon les gens seraient tout de suite morts. Mais c'est plus de 8 heures par semaine. Sachant quand même qu'il y avait quand même des endroits d'exception. En voyant mes notes sur la note Est, sur la région Est, où il y a beaucoup de plantations d'EVA, dans les plantations d'EVA, la vie était presque normale. C'est-à-dire que les gens travaillaient un nombre d'heures normal. La fabrication du crêpe, par exemple, à l'usine de Chup, fonctionnait normalement, avec des techniciens cambodgiens. Alors, les Chinois venaient mettre leur nez de temps en temps. Le crêpe était chargé sur des camions chinois ou mettait sur des bateaux sur le Mekong. Tout le crêpe était envoyé par train à Kompong Som et tout partait en Chine. And all of it donc, left for China. En gros, je m'a donné le chiffre, la plantation de Chup, c'était 12 000 hectares. Sous les Khmer Rouges, il y avait 8 000 hectares qui fonctionnaient. Et la plantation de Mimot, enfin, toutes les grandes plantations fonctionnaient quasiment normalement, avec des conditions où les gens étaient nourris, quasiment normalement. Voilà. C'est une ère où la vie était quasi normale. Dans mon document sur le Khmer Rouge Gulag,
Je note également aussi la ville de Kampong Sam. Ça, ce n'est pas une commune populaire, c'était le port. Où la vie aussi, là-bas, était quasiment normale. And life there was il y avait beaucoup, on envoyait tous les experts chinois aller faire un petit tour. Ils avaient tous droit à un petit séjour au bord de la mer. They had the right to go and spend a little time by the sea. Bien connu de toutes les personnes qui sont ici. Était normal. The beaches that everyone here knows were normal. Donc on pouvait aller se baigner. So it was possible to les techniciens qui travaillaient au port, avaient des conditions de vie tout à fait acceptables. Sauf que de temps en temps, ils pouvaient être arrêtés et envoyés en prison. Mais en gros, la vie quotidienne était quasiment normale. Maintenant, en ce qui concerne les communes populaires, les communes agricoles, normales, alors, les règles étaient identiques, the rules were mais exactly the same. La sévérité However, de la direction variait beaucoup d'une commune à l'autre. C'est-à-dire que ces règles étaient appliquées de manière beaucoup plus stricte à certains endroits qu'à certains autres. Ce n'était pas au niveau de la région. On a beaucoup dit que la région Est était plus douce que les autres Within régions. Sector, said that the Moi, je ne crois pas. Peut-être à certains endroits, mais dans l'ensemble, les gens ont aussi souffert de la faim dans la région Est. Les gens étaient abondamment arrêtés dans la région Est. Il y avait énormément de prisons parmi les plus grandes dans la région Est. Mais ce qui variait beaucoup, c'était la cruauté ou la sévérité de la direction de la commune populaire. Ils pouvaient arriver à Battambang en particulier, que dans un homme populaire, tout le monde mourait de faim et les conditions étaient abominables. Et la commune populaire d'à côté, le chef de la commune populaire était plus généreux, plus humain, et donnait assez à manger à la population. He could have given more to eat to his people. Voilà. Passed through Donc, effectivement, the links in the au chain niveau de because l'application was a child. Des directives générales, But when il y applying avait the overall des directives, différences. Then, there were Sauf differences. Que les chefs des communes populaires qui étaient trop gentils, Except that the souvent, leaders of the people's communes who were too kind were often the ones qui, that were accused of being traitors. Je voudrais en venir au rôle de Nunchia. Now, I'd like to turn to Nunchia's role. Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion Did de le rencontrer, de l'interroger him, of questioning him en personne. Personally. Non. Non. Nunchia, comme vous le savez, Nunchia, as you know, ne souhaitait être interviewé par personne. Not wish to be interviewed by anyone. Il était extrêmement difficile. It was extremely difficult. Bon, Tet Sambat est complètement une exception. Well, Tet Sambat is an exception, and he was Khmer first of all. And he introduced himself ami, enfin, as. Il a mis des mois et des mois et des mois, sinon des well, années. It took him months and months and months progressivement gagner la confiance to gain Nunchia's trust. Donc pratiquement personne n'a interviewé Nunchia. Practically no one interviewed même pas, Nunchia. Je crois, not Short. Even Philip Short. So. Comme il avait quand même Since fait toutes ses études studied, however, secondaires, supérieures et universitaires secondary studies en as well as his university studies in Thailand, Nunchia spoke perfect Thai, parle couramment le Thai, speaks perfect Thai, and I know Thai, that he was interviewed by certain people contre, in Thailand. Je l'ai déjà évoqué, but as I said, j'ai interviewé une journée complète, I interviewed for a full day Kyu Sampan, who received me very pleasantly. I saw that he was living in a very humble house, however. He was part of the few Khmer Rouge leaders who did not take advantage of the regime to become richer. Voilà. Donc, ce qu'il m'a so, dit, c'est à peu près what he même told chose me is pretty much the same thing he Philip said Short. To Philip Short. Je me souviens tout de même I remember, however, que, that he told me on avait évacué les villes that the cities were evacuated because it was necessary d'aller très, très vite to act fast vers le communisme pour pas se faire rattraper in par les Vietnamiens. Reaching communism to not be caught up by the Vietnamese. That is what impacted me the most. Otherwise, I was received very pleasantly. And Khieu Sampan is, of course, very comfortable with French, as you know.
Je vais revenir là-dessus. Question. I will get back to that. But now regarding Munchir. Quels sont les éléments qui dans son passé, which elements of his past, au Cambodge, whether it be in Thailand, en Thaïlande lorsqu'il a étudié, or in Cambodia, ou lorsqu'il a été formé au Vietnam, or when he was trained in Vietnam, quels sont les éléments importants pour retenir qui ont pu contribuer in his life that you remember that might have contributed to his vision of how to exercise power, such as he exercised power later on under the DK regime? Are there elements de son parcours in his personal history that allow you to say soit de Thaïlande, soit de that sa formation au Vietnam, he acted in such a way because of what he might have experienced in Thailand or in Vietnam? Oui, alors là, answer. Précisément, c'est la well, grande énigme. That is the question, vous avez certainement indeed. Vu le you document qui est réalisé par un japonais dont j'ai oublié the documentary produced by a Japanese person, I forgot its name, but he was the first person to identify le parcours de Nunchia's personal history in Thailand and the different c'est un homme qui sait très, très bien names he used. Well, he's somebody who knows how to hide very well, Nunchia. On n'arrivait absolument pas à trouver trace de lui en Thaïlande impossible to années. Trace him down in Thailand for years. Il y a 5, 6 ans, 6, 7 ans, je me rappelle plus. But un chercheur japonais after qui 5 a tout to 6 years, a Japanese researcher found everything, all of the different names that et de manière très intéressante, in a very interesting way, on a le parcours d'un étudiant assez we brillant, see that he was just simply a very good student, and that among the leaders, he studied the most, he had the highest level of education, because he almost had a law degree, compared to Pol Pot, whose only degree was a carpenter's degree, and maybe a card from the French Communist Party. Well, Nunchia was extraordinary. So Nunchia Thammasat University, on top of that, at Thammasat University, which was a modern university in Thailand, on dirait aujourd'hui we would say de gauche, left-wing today, compared to Chulalongkorn, which was the traditional university in Thailand, which was the university where there were many, many modern ideas, and Thammasat for évidemment des pays colonisés, etc. Promoting the independence of the colonized countries, etc. La jeunesse communiste thaïlandaise. On pense même pas qu'il a rejoint le parti, mais we don't believe, however, that he joined the party, but mais he frequented the Thai communist youth. Rien well, this Japanese person in his study en Thaïlande ne laisse supposer saw that nothing in Nunchia's history in Thailand would lead us to believe that he became the Nunchia that we know today. Well, however, quite quickly, well, what's surprising, however, in his history, son parcours en Thaïlande est un immense succès. Well, his experience in Thailand was very successful, I believe. Not only he studied, but he found a little job first at the Ministry of Finance, and then at the end, he ended up at the Ministry of Foreign Affairs. So for an ambitious young man, even if he was at the bottom of the social scale, he had Thai citizenship, he was considered like a Thai citizen, and he was in Battambang when all of the northwest of Cambodia became Thai, so all the people from that area became Thai, so why not become Thai yourself, why not become minister of the Minister of Foreign Affairs in Thailand. Why not? He might have said to himself. Well, no. I'm joking, of course. But in any case, the start of his career was quite brilliant. And in any case, he did finish his bachelor's degree. Or almost. And, well, no, this is what happened wasn't expected. We were after the Second World War, in the heart of the Cold War, fighting for independence, and he wanted this young man who had this integrated himself very well in Thailand, he wanted to take part in the struggle for the independence of Cambodia. And there, as everyone knows, he joined the Indochinese Communist Party, and of course, any new recruit, especially an intellectual, especially someone who had been well-trained, who was educated, who was bilingual,
Khmer and Thai. And on top of that, he had a few notions of French, however, nonetheless, which he acquired in primary school or in high school. So someone who was brilliant, and of course, such a person would interest the Viet Minh, and they sent him to be trained in Vietnam, where he stayed for 2.5 years, quite a long time. And there he learned Vietnamese too. So he was very, very bright, we can say, because being bilingual, well, I can be bilingual more or less, but I have a lot of admiration, however, for people who are able to have a third language and with a bit of French on top of that. So his knowledge of Vietnamese allowed him to build tight links with the Vietnamese leaders, in particular with Lê Duẩn, and to gain the trust of the Vietnamese leaders. So he was considered as the godchild of Vietnam. And the other enigma is Nguyen Chia, qui a vécu, était en Thaïlande, il était tout le temps dans une pagode. He was always going to the pagoda when he was in Thailand, the marble pagoda. And so he spent 3, 5, 6, 7 years, I don't remember exactly, in a pagoda. So we could imagine that he would have imbibé de culture become bouddhique. Very much influenced by Buddhist culture. And even now, in his old age, Stephen Heder, who went to check out Nguyen Chia's house, reported that in his house we would essentially find books on Buddhism. So now Nguyen Chia, as an old man, is returning to his first love and returning to Buddhism and to books written in Thai, apparently. So it's a mystery. There is a question, however. If back then the monks were as the monks are today in Thailand, that is to say, dans le luxe, living a luxury life with nice cars, mobile phones, and nice watches, etc. Whereas monks are supposed to be, as you know, sober, not touch money. There are also sexual issues, according to the papers. They say, well, if this kind of situation existed back then in the 40s, or when Nguyen Chia was there, he might have said to himself, well, Buddhist rules, giving up on yourself, giving up on money, giving up on well-being, giving up on the family, all that are not really being followed in the pagodas. I'm going to follow them in society. That's maybe it's an idea I have. I mean, I'm not sure of it, just a hypothesis I'm submitting. Question, where and how was he initiated resorting to armed violence? Answer, well, by the Viet Minh, of course. All of the guerrilla techniques. Les techniques de comment on lutte, qu'est-ce que c'est que la lutte guérilla par rapport à la lutte traditionnelle. Guerrilla warfare in relation to traditional warfare, what we do with political prisoners, all of this. What do we do with POWs, how do we chain them up, how do we question them, all of that he learned from the Viet Minh. And there are many, many, many testimonies of French people who were prisoners, Viet Minh prisoners, and they were treated in a terrible way. They were chained up and tortured, they suffered hunger, and many died. So he learned all of these techniques, of course, and real communism with the Viet Minh, of course. And very quickly, the Communist Party of Cambodia said that we choose the legal and illegal way. The legal way was the Pratichun Party, and the illegal way was resorting to violence. And they chose violence very early. But I think that it was under the auspices of the Vietnamese Communist Party. Question, you spoke earlier about the fact that Pol Pot and Nguyen Chia would take decisions. In your book, you say of a hydra, a two-headed hydra. And what were the fields of, what was Nguyen Chia's direct jurisdiction and not Pol Pot's?
So what were the areas that Nunchewa was in charge of in particular and that he would follow under the DK regime? Voilà. Alors, answer, il y a un certain nombre well, de choses there are certain connues, number of things that are known and others that are maybe less well-known and alors, maybe not as clear. The first thing was that he was in charge of education, cadres, training cadres, and of what we call harmonization on one side, and on the other side, as of January 76, and of the new constitution, and of the creation of the National Assembly, he became the president of the National Assembly. So if you look at his official duties, maybe there wasn't much. But this is where my discussions with Sun Sikun were very useful, and also with Pipun and Salotban and with the Khmer Rouge. We describe DK with our very specific ideas of what an administration and a government should look like. One is a minister of that, minister of education, and not minister of war at the same time, or minister of national defense. That was not at all what happened in DK. It was total improvisation. It was chaos. This is why it was strictly impossible, but as Duke explained in June, before this tribunal, it was impossible to know who was number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nobody knew. It would change all the time. It was like a moving target. That is to say, a target that would just change places. Officially, Nunchia did not have an important role to play in the DK government, but in reality, in the facts, in the facts themselves, he was always residing in K3 with Pol Pot as of 1975. He was always next to Pol Pot, ils prenaient leur and repas ensemble. They would eat their meals together. And this is what I read. Pol Pot and Nunchia always ate together to avoid souvent, using up gasoline, and often Kyusampa would join them. So they were the ones who would decide in reality all together, no matter their official duties on paper. Responsibilities were just listed on paper, but in Sun Sikun explained to me that at the Ministry of Foreign Affairs, he was apparently in charge of propaganda or of radio broadcasts, but in reality, there were urgent tasks that had to be done, and everyone was polyvalent. Everybody did what had to be done. They would always work in by improvising and on a last-minute basis. They did things that were necessary to be done at one point in time when it had to be done. Dans question, livre, in your book, pourquoi les Khmer Rouge, why the Khmer Rouge, référence E3/10640, toujours sous le chapitre intitulé Lanka, the chapter Ankar, à la page 105, page 105, vous avez dit ceci, you said the following. Nunchia fut avec Pol Pot, was with Pol Pot l'orateur phare du the régime. Leading or speaker of the regime. Il était surtout responsable de la sécurité, de l'État révolutionnaire, of the revolutionary state, en charge in charge de dépister les ennemis et leurs complots. Ploys. Voilà. Donc je so veux savoir, I would like to know, par rapport à son in relation rôle, to his la sécurité de l'État, role with regard to state security, quelles ont été vos sources? Est-ce que what were your sources avec to determine this? Pipun, were your meetings with Pipun, Sun Sikun, Salotban provide any elements to answer this question on top of outside sources that you might have used? Alors, answer. Mes deux principales sources, well, my je two main sources, sources or three sources, I should say. Deutsch. First, Duik. Deuxièmement, then, c'est Chun Sambat. Chun Sambat. Et troisièmement, and three, c'est Nunchia lui-même. Nunchia himself. C'est Nunchia, Nunchia himself. Et dans son interview, and in his interview au Parti communiste danois,
at the Danish Communist, with the Danish Communist Party in 1978, and I have it here, and I'm sure the tribunal has a transcript of this interview. It is Lucia himself who says that chasing the enemy is the main task of the party. It is Nuncia himself who describes his task, his role. Does the tribunal have the transcript of this speech or interview? Il m'a été donné par Laura Summers. Laura Summers, a British lady who was an expert, who is an expert who studied Democratic Cambodia quite a bit, and published in the Journal of Communist Studies, March 1987, Journal d'études, des études communistes. The Journal of Communist Studies, and here you have in this journal, there's an article by Laura Summers, and afterwards an interview of Nguyen Chia. You probably have it in on your case file, I'm sure. Donc c'est pas la peine que je le cite. It's not necessary for me to quote it. You must have this document, I'm sure. Si vous avez la citation, answer. If you have the quote, please proceed in quote. And then we will check the availability of this document later on. Je m'excuse, answer. C'est en anglais. I apologize. Alors, it's in English, so the interpreter should be warned. I'm going to quote in English. Vietnamese. Also try to infiltrate. Les Vietnamiens ont également essayé d'infiltrer our party. Notre parti. We are not worried about the external military aggression. Nous ne sommes pas inquiets de l'agression militaire extérieure. We worry most about nous sommes the enemy plus inquiets inside. De l'ennemi de l'intérieur. Question. Why is illegal question. Work still the fundamental or basic work? In this period after liberation, it is secret work that is fundamental. C'est le secret qui est we fondamental no longer dans cette période use the term de libération. Illegal. Nous n'utilisons plus we le terme légal term ou illégal, mais plutôt le terme secret et ouvert. Secret work is fundamental le travail secret est fondamental dans tout ce que nous for faisons. Example, the Par elections exemple, of comrades to leading work le choix des camarades pour effectuer le travail est secret. Le lieu où vivent nos dirigeants we keep est secret. Meeting times and places secret. Nous tenons les heures and et les so lieux on. De réunion on the one secrètes. Hand, this is a matter of general principle. D'une part, and on the c'est other, une question de it is a matter to politique defend générale. Ourselves et d'autre part, from the danger of c'est enemy une manière de nous protéger infiltration. Du danger des ennemis que as posent long les ennemis as there infiltrés. Is class struggle le or imperialism. Tant qu'il existera les classes sociales, les luttes de classe ou l'impérialisme, c'est la dernière phrase as très long importante, as there is class aussi longtemps or imperialism. Qu'il existera l'impérialisme et la lutte des classes, le travail secret restera only fondamental. Secrecy can ce n'est que par we le secret of the que nous pouvons maîtriser la situation and win our victory et remporter over la the victoire enemy who sur l'ennemi cannot find out qui who is who. Ne peut pas découvrir qui est qui. En plus des co-prosecutor, pardon. En plus des rôles que vous avez déjà évoqués en termes d'éducation, roles you already spoke about sécurité, in terms of education, président security, nationale, president a, of the National Assembly, il avait également pour tâche de remplacer was Nuncia also tasked Pol with officially replacing Pol Pot when Pol Pot was absent or sick? Oui. Answer. Alors, yes, well, là, évidemment, of c'est course, une source importante qui nous indique le rôle réel de Nuncia. There is an important source here that specifies Nuncia's real role. Officiellement, we were told that officially fin, it was fin at the end of 1976 or the beginning of 1977 où, Pol Pot étant when empêché, Pol Pot Nuncia qui prenait couldn't exercise his post and therefore it was Nuncia who automatically took on the role mais of en fait, Prime Minister. Permanent. But in fact, there was a permanent rotation. They would somehow manage it to never be together de façon à ce que pendant que so that Pol Pot when Pol Pot was à une réunion, at a meeting ou en voyage, or en Chine, traveling to China
un encore pour recevoir un autre. Nunchia tenait les rênes du pouvoir à Phnom Penh. Would hold the power in Phnom Penh. Par exemple, quand Sam Chung Kiao, le leader de la bande des quatre, of the gang of four, que j'ai déjà évoqué, which I brought up already, est venu came, en janvier 1976. Sur les photographies, on, the photos we see, on voit Pol Pot et un certain nombre de gens, mais il n'y a pas Nunchia. But Nunchia is not there. De même, in the same way, quand Ne Win came, le premier chef d'État qui est venu au Cambodge, head of state to come visit Cambodia, we see Khieu Samphan, the photograph. Bon, y a pas Pol Pot, mais il y a Khieu Samphan. Pol Pot, however, but there's Khieu Samphan as head of state. But we don't see Nunchia either. Sihanouk a fait Sihanouk sa fameuse visite dans le Maquis en 1973, ça, il faudrait revoir les photographies. We should look at the pictures again mais regarding crois, that. But as far as I remember, qu'il y avait toute la direction Khmer Rouge, the entire Khmer Rouge Nunchia. Leadership was there, except for Nunchia. Donc, Nunchia, therefore, les du had to hold the reins of power while Pol Pot... Et puis alors les trois ghosts, les trois fantômes, and the three ghosts, Khieu Samphan, Hunim, and Huyun, would receive the former king, Prince Norodom Sihanouk. So basically speaking, c'était, disons, le vice-roi. He was the vice-king, the viceroy. Nunchia a eu cette excellente expression, Obarak. Came up with a wonderful expression, Obarak, the future king, the vice-king. Nunchia was the Obarak. C'est ça. That's it, basically, the vice-king, the viceroy. Je voudrais citer une dernière chose concernant Nunchia, like ça concerne les derniers jours du régime. Quote, last thing concerning Nunchia, regarding the last days of the regime before the Vietnamese arrived. And this is an excerpt of your book, Why the Khmer Rouge, à la page 240 on page 240 en français, in French. C'est-à-dire, and that is to say, ERN 0133-03654. And you said the following. Les derniers jours du régime, c'est-à-dire les premiers jours de janvier 1979, furent les plus meurtriers. L'ordre fut donné par le grand responsable de la purification de la société, Nunchia, d'exterminer tous les malheureux emprisonnés sur tout le territoire, afin que les Vietnamiens ne soient pas témoins des forfaits de l'Ankar. L'ordre fut fidèlement exécuté. The result was followed loyally by the very zealous Duc at S21. Près de Pursat, close to Pursat, environ 1,000 prisoners were therefore exterminated. À la chaîne, entre 7 heures du soir in the evening and 5 o'clock in the morning. La besogne and that job devant had absolument to be absolutely être finished avant before dawn. Fin citation. End of quote. Dans les notes de bas de and page, in the footnotes, you une personne mention a person as a source qui était née en who was born in 1956 and who was interviewed in Pursat on 30 July 1991. Alors, concernant so now regarding ce type de massacre, this kind of massacre at the last minute before the Vietnamese arrived in the security centers, is this something that was reported to you often or only regarding S21 and Pursat? Oui, je crois que cette directive est effectivement générale. Pursat, c'était la première année, vous voyez, ça fait il y a 25 ans. Pursat, that was 1991. C'était mon premier tour du Tonle Sap. First time I went around the Tonle Sap, that was just 25 years là, before I interviewed je suis 1991. Tombé, ça, je me le and when I arrived there, and I remember this very clearly, I met someone who, a witness who therefore had lived through this massacre, who had witnessed this massacre, and he was in charge of the movie theater in Pursat City. And he gave me all of these details, these very specific details, on this order to execute all of these prisoners. It was a chain slaughter that lasted the entire night. À la suite and suite, il y a eu, then, la of course, there was Duke, the Duke's revelations at S21, but that we learned
much later, 10 years later. And it's true mes dernières questions sur les prisons, c'était toujours la durée de prison quand elle a ouvert, quand elle a fermé. Dealt with the prisons when they were open, when they were going to close. That was one of the last questions I asked. And I asked the same questions over and over again. And I noticed that everywhere the same order had been given. And as all orders from Ankar didn't mean that they were followed literally. If in certain places, like in Porsat, indeed, c'était une grande prison. It was a big prison. It was the main prison in the province. If indeed all of the prisoners remaining were executed in Porsat and other places, il est arrivé à des endroits que les prisonniers sometimes ont été libérés. The prisoners were released. Les gardiens se sont and sauvés. Sometimes the guards just il fled. Il est arrivé aussi à d'autres endroits also, que les gardiens se sont the sauvés would et ont flee laissé les prisonniers dans leurs chaînes. Let the prisoners la population qui les a stay libérés. There shackled and the population mais, freed them. J'ai quand même constaté but que I noted, général, however, that this general d'ailleurs, order c'est confirmé par le fait and this is of course also confirmed by the fact Nunchia that Nunchia criticized Duch later on when they met in the 1980s to not destroy the archives. So he said that not only you should have liquidated all prisoners, but you should have also destroyed the archives, which he did not have the time to do, of course. Thank God. Donc, lorsque vous dites que l'ordre fut donné question. Par so when you say that the order was given le grand responsable de la purification de la société by the one who was most responsible for the purification of society in Nunchia to exterminate all the prisoners throughout sources, the territory, what are your sources? À part les affirmations de Duch lui-même from what Duch lui-même pour himself had said alors mon autre regarding source c'est donc Nunchia lui-même answer, my other si source is Nunchia himself if you will allow me to 31, quote in the same article lignes, page 31 hein, there are three or four sur, lines la nécessité des purges hein, the need la for nécessité the des purges pour préserver in order to la direction du parti preserve the leadership of the party. The leadership apparatus must be defended. L'appareil de direction pardon, doit être défendu. Excusez-moi, je passe à l'anglais. Sorry, excusez-moi. I'll be going to English now. The leadership apparatus must be defended doit être at any price. À tout prix. If we lose members, si nous perdons but retain des the leadership, que nous gardons la we direction, can continue to win victories. Continuer à remporter des victoires. Donc ça, c'est le principe. Absolument, la révolution so est éternelle. That's the absolute principle. The revolution is eternal, never pardon, ending. Pardon, je change de langue encore. I'm sorry, I'm changing language again. oui, si la direction est préservée, because la révolution est préservée. Because if the leadership is preserved, then the revolution is preserved. Defending the leadership of the party is strategic. La direction du parti as long c'est stratégique. As the leadership is tant here, que la direction there, sera là, the party will not die. Le parti ne mourra pas. And this is the last, the next et very important ensuite, sentence. La phrase there can importante. Be no comparison on ne peut pas faire between de losing two or three leading cadres cadres dirigeants and 200 or 300 members, ou 300 membres. Rather the latter than the former. La dernière so, variante est préférable à la première. Si on comprend bien, so on peut perdre. Understand this on peut perdre 200 ou 300 cadres, ça ne fait rien. We can lose mais two si or on perd cadres, les deux ou trois, problem, but if we lose deux, trois leaders two or three de la révolution, of the revolution, c'est la fin. It's the end of everything. That has been demonstrated by cela the experience of the Communist Party of Indonesia. Du parti communiste the indonésien. Leadership was 90% destroyed, etc. 90% de sa direction a été voilà, détruite, ils ont été très, très impressionnés. So they were très impressionnés par les purges du Parti communiste indonésien qui a précédé juste le régime du Kampuchea démocratique. Communist Party of Indochina and je vais avancer un peu concernant maintenant le rôle de so move forward a little bit on the role of vous avez dit l'avoir interrogé pendant you une journée vous l'avez confirmé également dans votre ouvrage Pourquoi les Khmers rouges him. À la page 274 en français on page 274 in the French version of Pourquoi les Khmers rouges vous avez pu le rencontrer could you tell us in what context you were est-ce able que vous avez pris des notes ou vous avez did pu enregistrer l'entretien est-ce que vous avez par la suite écrit quoi que ce soit un article were you able to then did you write anything an article ou bien il n'y a pas de trace écrite or is there no du contenu de cet entretien trace of the content of this interview.
Oui, là, vous me posez une question qui m'embarrasse. Parce qu'en effet, yes, pour préparer cette interview, j'ai cherché dans toutes mes notes, et j'en ai des cahiers. J'ai aussi des documents qui sont en France. Donc, je n'ai pas retrouvé dans les documents que j'ai ici, parce que les traces de cet entretien. Alors, comme je l'ai indiqué plus tôt, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a surtout beaucoup parlé de sa formation, de sa vie en France, de son adolescence, etc. Et d'ailleurs, les leaders, j'avais interviewé aussi Yang Sari, qui parle très volontiers, qui a très volontiers parlé de son enfance, de comment il avait manipulé son âge pour pouvoir rentrer au lycée Sisovat, etc. Changer son nom, ses études en France, mais on n'avait pas eu le temps d'en venir au Kambodja démocratique. L'interview avait été interrompue. Alors, en ce qui concerne Kyu Sompon, c'est Sung Si-kyun qui m'a introduit à lui. Et donc, j'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure, très aimablement reçu. Je crois que la conversation, mes souvenirs, j'ai pourtant tout un dossier sur lui, mais mes souvenirs doivent être assez anodins. Simplement, j'ai recueilli cette idée que nous avons évacué Phnom Penh, ou nous avons évacué la ville, parce que nous étions dans une course effrénée avec le Vietnam. Il m'a paru un argument intéressant et qui est resté dans ma mémoire. An interesting argument, and it stayed with me. Vous avez parlé de sa bonne réputation sous le régime du Sankun, under the Sankun of Sihanouk. En quoi est-ce que sa stature ou sa réputation d'intellectuel qui n'était pas soumis à la corruption ont pu bénéficier au mouvement révolutionnaire Khmer Rouge? How did that play out at the time of the Khmer Rouge revolution? Eh bien, évidemment, sous ses dehors très urbains, très polis, charmants, il est certain que Kyu Sompon a été un atout extrêmement important pour la venue au pouvoir du régime, parce que la majorité des gens, ne connaissant ni Pol Pot, ni Nguyen Chi, ni Tamok, ni évidemment Sao Pim, ni Khoi Thun et tous ces personnages, ni Son Sen, qui effectivement dirigeaient la révolution, la guerre civile, et il a servi surtout à tromper Sihanouk lui-même. Sihanouk, quand il avait affaire au Khmer Rouge, il voyait bien qu'il y avait Yang Sari, pour lequel il n'avait pas beaucoup de sympathie, mais il pensait que le personnage important du Kampuchea démocratique pendant la guerre civile était Kyu Sompon, Hu Yun et Hu Nim. Il ne faut pas oublier que Hu Yun était une personnalité particulièrement charismatique. Il avait énormément de succès auprès de la population paysanne. Il était partisan, alors lui, de coopératives, commune populaire, mais de coopérative, que ce soit la volonté des coopérateurs de se mettre et de travailler ensemble. Donc ce sont les personnages que Sihanouk a rencontrés, qu'on a mis en avant lorsqu'il est venu au Phnom Kulen et à Angkor Wat en mars 1976. Et donc la figure de proue était Kyu Sompon. Et quand Kyu Sompon a décidé de former le Phuc et le Krung, il était persuadé qu'à la tête du mouvement, il y avait Kyu Sompon. Voilà. Juste une correction. Oui. Vous avez dit mars 1976. I'm sorry, you said March 1976. 73, oui. Mars 73. 73, excuse-moi. 73. Est-ce que vous disposez d'informations obtenues notamment lors de vos entretiens avec les anciens cadres Khmer Rouge qui ont travaillé pour le ministère des Affaires étrangères concernant les liens qu'avait tissé Kyu Sompon avec le mouvement communiste ou le parti communiste clandestin à partir de son retour en France en 1959 et jusqu'à
when he returned to dans le Maquis France en 1967. And until he went to the Maquis in 1967. Voilà, alors là, vous me posez une question très délicate que tout le monde se pose. Quand on la pose à Kyo Sampan, il nie absolument avoir eu quelques relations, que ce soit lorsqu'il était ministre, secrétaire d'État, lorsqu'il était député, avec le Parti communiste clandestin. Personnellement, comme beaucoup de personnes ont beaucoup de peine à le croire. Beaucoup de peine parce que nous avons au moins deux indices qui nous montrent qu'il avait forcément des liens avec ces personnes. Le premier, c'est qu'il s'est trouvé comme président ou directeur du cercle marxiste-léniniste à Paris, qu'il a pris la succession de Yang Sari quand il est rentré en France, et que le cercle marxiste-léniniste s'est trouvé quand même être une pépinière. Je l'explique bien ça dans mon livre, well et puis Sun Sikun l'explique bien dans son autobiographie, que ça a été quand même un parti communiste en miniature, puisqu'il d'abord il cultivait le culte du secret, il fonctionnait que par petites cellules dont les gens ne connaissaient pas le nom des cellules, les autres cellules. On promettait de ne pas révéler l'existence du cercle marxiste-léniniste, c'est-à-dire qu'il avait déjà des caractéristiques de ce qu'allait être ou de ce qu'était le Parti communiste du Cambodge. Donc ça m'étonne beaucoup que dès Paris, ou même peut-être avant qu'il aille à Paris, mais enfin, tu vois, dès Paris, qu'il n'a pas eu de contact avec Pol Pot et toutes ces personnes-là. Deuxièmement, quand il a dû prendre brusquement le Maquis en 1967, puisqu'il était sur la liste des 34 suspects, et que quand on était sur une liste des suspects, souci à nous, c'était sérieux. Ça pouvait dire une arrestation et une disparition. Ce n'était pas simplement ce qu'il avait subi, un emprisonnement d'un mois et un traitement un peu dangereux. Ça pouvait être plus grave que ça. Alors, c'est quand même assez curieux. Il nous dit qu'il y a des gens qui l'ont exfiltré, mais il ne nous dit pas non plus comment il a eu contact avec les personnes qui l'ont exfiltré. Et qui, pour plus de sûreté, au lieu de le faire partir vers Ratanakiri, vers lequel tout le monde se tournait, puisque Pol Pot était en train d'installer sa base là-bas, je ne me rappelle plus quel mois Kyo Sampan a quitté Phnom Penh, c'était pas juillet ou je ne sais plus quel mois. Je sais par contre que Pol Pot a établi sa base plutôt à la fin 67 que le début. Mais enfin, bon. Donc, on a fait exprès, comme il l'a très bien expliqué à Philippe Short, de partir vers le sud parce qu'il n'y avait pas de contrôle de police. Tandis que si c'était parti vers Kompong Cham, il y aurait eu des contrôles de police et ça aurait été plus dangereux. Voilà. Mais j'ai peine à croire qu'il n'était pas en communication. Alors, évidemment, une personne auquel on pourrait le demander, c'est Salot Ban, parce que Salot Ban, Sohong, à ce moment-là, était adolescent, vivait jusqu'en 63 chez Pol Pot, où il était reçu comme un fils. Et c'était lui, adolescent, sur une bicyclette, qui portait des messages entre, en tous les cas, Nguyen Chia et Pol Pot. Alors, est-ce qu'il portait aussi des messages à Kyo Sampan? Il faut poser les questions à Kyo Sampan lui-même. Bon, il vous dira peut-être non. Pour moi, c'est toujours un mystère. For me, that remains up to this time a mystery. Merci, Monsieur l'Expert. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 15h05. Huissier d'audience, veuillez vous occuper de l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience. À 15h05, suspension de l'audience.